Et bienvenue au 10e webinaire de l'Académie de Créteil. Ce soir, nous allons aborder le thème de l'autorité scolaire. Nous avions le choix entre l'aborder sur le ton répressif, mais nous avons choisi délibérément de traiter de cette question de l'autorité sous l'angle de la prévention, c'est-à-dire nous avons délibérément pensé qu'il était important de discuter ce soir entre nous sur les conditions qui était de l'ordre des prérequis pour mettre en place des apprentissages durables auprès de nos élèves. Le 10e webinaire est donc rattaché au cœur des apprentissages. Nous avons pour la première fois essayé d'aller sur le terrain pour recueillir le témoignage d'élèves. Et vous allez voir, certains passages sont particulièrement brillants. Nous avons voulu vraiment faire témoigner ces élèves pour avoir ce regard de l'extérieur, mais tellement important pour nous donner justement des feedbacks sur nos pratiques. Et puis nous avons voulu aussi interroger des enseignants experts de terrain sur la façon dont ils envisageaient cette autorité en milieu scolaire et sur les techniques et les procédures qu'ils utilisaient pour se faire entre guillemets respecter. Alors se faire respecter pour justement être dans les meilleures conditions possibles pour placer nos élèves en situation d'engagement actif. Voilà, donc nous avons aussi fait appel à un témoignage d'un enseignant qui a travaillé pendant un an sur notre territoire cristolien et qui a écrit un ouvrage là-dessus pour témoigner justement de son expérience en REP+, en milieu donc éducation prioritaire, Collège de Seine-Saint-Denis, Loïc Malfroy qui interviendra tout à l'heure. Je voudrais tout d'abord présenter notre premier intervenant, Bruno Robe, qui est professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Il travaille à l'INSPE de Versailles. Il a écrit de nombreux ouvrages sur la question de l'autorité scolaire. Je voudrais simplement vous donner à titre d'exemple, mais vous aurez sur le générique de fin l'ensemble de sa bibliographie. L'ouvrage qu'il a intitulé « L'autorité éducative dans la classe », 12 situations pour apprendre à l'exercer. Voilà, donc c'est la dernière réédition en 2020 de Bruno Robe. Nous allons donc donner la parole pour cette première intervention à M. Bruno Robe. Est-ce que, Bruno, vous nous entendez? Oui. C'est à vous. Merci donc d'ouvrir ce 10e webinaire sur la thématique de l'autorité scolaire. Nous vous donnons la parole. Et donc, lorsque cet élève ou ce groupe d'élèves ne paye pas, là, effectivement, l'enseignant rencontre une difficulté. Il y a des situations où l'autorité des enseignants est particulièrement problématique. Ce sont des situations oui, très bon. Très bien, merci Bruno. Parfait. Souvent, effectivement, il y a une mise en spectacle très de bien. La situation. L'enseignant va exiger on voit une super obéissance bien. Immédiate. Bruno, sans pardon Bruno, est-ce que vous pourriez activer votre caméra, s'il vous plaît? Ah oui, tout à l'heure, je ne pouvais pas le faire. Merci. Je vais essayer. Merci, voilà. Parfait. Vous voyez maintenant. Parfait, super. Parfait. Vous allez pouvoir écouter. Donc, je disais qu'il y a des situations où l'autorité enseignante est particulièrement problématique. Ce sont celles où, devant une classe, l'enseignant va exiger une obéissance immédiate sans alternative possible. Ça peut passer, par exemple, par des phrases du type « Vous ne sortirez pas tant que vous n'aurez pas écrit vos devoirs », ou des choses comme ça. Beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner. Et dans ces situations, l'enseignant se fait monter, hein, on va dire, un peu la pression, met en scène un conflit potentiel. Il risque de perdre la face devant le groupe et de faire perdre la face à l'élève ou aux élèves. Bruno, pardon Bruno, est-ce que vous pourriez activer votre caméra, s'il vous plaît? Dans ces situations, le risque d'un passage à l'acte verbal ou physique est maximum. Pour autant, merci, parfait. J'y reviendrai aussi parfait, sur la différence super. Entre recette et principe parfait. D'action. Le différé, c'est un savoir d'action qui fonctionne, en tout cas dans toutes les situations que j'ai pu observer. Il fonctionne à condition, bien sûr, que l'enseignant revienne avec l'élève ou les élèves concernés sur cette situation. Donc cet exemple que je viens de donner relève de ce que j'appelle l'autorité autoritariste, c'est-à-dire ce mode de relation à l'autre où on exige l'obéissance immédiate et inconditionnelle sous la forme d'une soumission.
et où l'élève finalement est réduit à l'état de, d'objet sans avoir voix au chapitre, droit à la parole. Il y a une autre conception de l'autorité que j'ai pu aussi développer dans mes recherches, que j'ai appelée l'autorité évacuée. C'est une conception dans laquelle effectivement des situations, plus exactement, qui se traduisent dans des situations où des enseignants refusent d'exercer leur autorité parce qu'ils considèrent qu'elle serait illégitime, anti-éducative, ou que ce ne serait pas leur mission. La problématique de l'exclusion de cours, par exemple, est une problématique importante au collège et au lycée. J'ai eu l'occasion aussi de conduire des recherches là-dessus, et j'ai lu aussi les travaux de mon collègue Benjamin Moignard. On voit effectivement que cette problématique de l'exclusion de cours, pour moi, je l'attache effectivement à un manque de formation professionnelle des enseignants, mais elle relève de ce que j'appelle justement cette autorité évacuée. Ce n'est pas à moi de faire, c'est aux autres. Ce problème n'est pas mon problème. C'est à la vie scolaire, par exemple, de le traiter. Alors, donc voilà une question sur laquelle sans doute il faudra revenir. Et donc, ces deux conceptions, autorité autoritariste et autorité évacuée, elles ont pour point commun, je dirais, de se traduire par l'abandon de la relation éducative et du lien à l'autre. Et donc, tout l'enjeu de ce que j'ai appelé l'autorité éducative dans mes propres travaux, c'est justement de s'efforcer de maintenir ce lien à l'élève, quoi qu'il arrive, même si ce quoi qu'il arrive, évidemment, est un défi et difficile avec certains élèves dans certaines situations, parce que ce lien, cette relation éducative, elle est la condition indispensable, nécessaire de la relation et de l'action didactique et pédagogique. Donc, cette autorité éducative, elle va passer, voilà, c'est ma deuxième diapositive, par une posture première de l'éducateur que j'ai définie en quatre termes. Le premier, la présence, c'est cette idée qu'il faut que l'enseignant, le professeur désire d'abord être là, être présent, selon trois significations qu'Éric Préra, mon collègue philosophe de l'éducation de Nancy, donne de la présence, c'est-à-dire être présent à soi et aux autres, être disponible et puis être aussi dans le présent, c'est-à-dire être véritablement dans le moment présent quand on travaille avec les élèves. Une manière d'habiter la classe, une manière d'être en classe et d'être en relation avec les autres. Deuxième posture, élément de posture, c'est la conviction, le postulat de l'éducabilité, qui a notamment été beaucoup travaillé par Philippe Mérieux, cette conviction que, effectivement, tout jeune, tout enfant, tout élève peut apprendre, se développer, progresser et acquérir des savoirs à l'école. Troisième élément de cette posture première, ce que j'ai appelé la bonne veillance, alors en référence là à des travaux du pédopsychiatre Daniel Marcelli, qui a aussi produit une œuvre importante sur l'autorité éducative, il parle de bonne veillance en disant la chose suivante, c'est cette nécessité que l'éducateur offre à l'enfant ou à l'adolescent le regard dont il a besoin pour grandir. Il dit que la bonne veillance peut se définir comme une surveillance bienveillante qui consiste à regarder son enfant ou l'adolescent, de telle sorte qu'il soit préservé des mauvaises expériences, mais qu'il puisse aussi recevoir et faire les bonnes expériences, base sur lesquelles donc la relation de confiance, il insiste aussi beaucoup sur l'importance de la confiance dans la relation d'autorité, pourra s'élaborer. Et il distingue cette notion de bonne veillance d'une autre notion très à la mode aujourd'hui, y compris dans le discours institutionnel, qui est celui de bienveillance. En se méfiant, alors là, c'est pas Marcelli qui parle, j'ai retrouvé chez le philosophe John Dewey une alerte qu'il fait aux éducateurs sur cette notion de bienveillance, une mise en garde, et il dit la chose suivante, « Ce qu'on appelle parfois un intérêt bienveillant pour autrui ne peut être parfois une tentative inconsciente déguisée de lui dicter ce que nous pensons être son bien, au lieu de tenter de le libérer, de telle sorte qu'il puisse chercher et trouver le bien de son propre choix. » Donc vous voyez que cette notion de bienveillance, il faut aussi, je pense, et c'est à travers cette phrase, cette citation que je vous alerte, il faut aussi, me semble, en avoir une lecture un peu critique. Dernier élément de cette posture, première de l'éducateur, cette notion de respect qui était évoquée en introduction,
et que moi j'ai traduit dans mes travaux par l'importance d'être à l'initiative du respect de l'enfant, du jeune, de l'élève, sans condition préalable. J'ai interviewé des enseignants qui envisagent ce respect comme un ensemble de comportements et d'attitudes qu'ils doivent d'abord s'imposer à eux-mêmes avant de l'exiger des élèves. Et c'est ça qui va augmenter leur crédibilité. Si effectivement l'enseignant et ça peut arriver parfois dans un mouvement d'énervement, mais quand ça devient une posture installée, c'est problématique, à des propos ou des attitudes irrespectueuses vis-à-vis des élèves, comment peut-il exiger en retour que les élèves le respectent? Ce n'est pas possible. Donc, ces logiques, ces rapports d'identification, d'exemplarité du professeur, c'est ça dont il s'agit ici, sont tout à fait indispensables parce qu'ils engagent justement à la réciprocité de la part des élèves et ils témoignent aussi de la considération qu'en tant que professeur, on porte à nos élèves. Donc, tout ça, ça relève d'une posture éthique fondamentale, de respect de la personne, du jeune, sans condition préalable. On pourrait aussi ajouter que cette posture première de l'éducateur, elle va se travailler à travers nos façons d'influencer justement ceux sur lesquels on exerce notre autorité, parce que la relation d'autorité, on verra que c'est aussi une relation d'influence, sans soumettre ces jeunes, ces élèves, mais en cherchant au bout du compte à obtenir qu'ils consentent à obéir. Et pour le professeur, pour l'éducateur, le CPE, ça passe par le développement d'autres façons d'agir possibles. Et puis, ça passe aussi par une clarification de notre propre rapport à ce qu'on appelle, à ce que des chercheurs aussi en éducation ont appelé le cadre éducatif, les savoirs, le rapport au savoir, le rapport à l'autorité. Ma définition de l'autorité éducative, vous la retrouverez dans mon ouvrage de 2016, mais je l'ai aussi publié dans celui de 2010 et dans d'autres articles, c'est l'idée que... on n'est pas dans la relation d'autorité en général, parce que parfois, quand on parle d'autorité éducative, c'est pour définir la relation d'autorité d'une manière un peu générique, mais c'est une conception qui émerge dans le champ des sciences de l'éducation et des sciences humaines, où on envisage la relation à l'autre comme une relation transitoire qui va articuler une distinction des places, ce que j'ai appelé la symétrie et la symétrie, c'est-à-dire il y a une distinction des places enseignant-élève, adulte-enfant, mais il y a aussi besoin de symétrie pour que cette relation soit reconnue. Donc, je parlais de reconnaissance, je parlais d'influence, reconnaissance du caractère bénéfique de l'influence, je parlais de la confiance aussi. Donc, il y a bien une volonté de la part de l'enseignant et de l'éducateur d'influencer celui sur lequel il exerce son autorité, mais le registre, ça va être effectivement que l'autre consente, reconnaisse le caractère bénéfique de l'influence qui s'exerce sur lui et que progressivement, il s'autorise à être un peu plus auteur de lui-même. Donc, la notion d'autorisation et la même étymologie qu'autorité est tout à fait essentielle. Voilà. Je vais terminer pour rester dans les temps de cette introduction en vous donnant quelques points de repère rapides, quelques savoirs d'action, on pourra y revenir là aussi, ou gestes professionnels qui peuvent favoriser l'exercice d'une autorité éducative. J'ai pu l'aborder dans certains, grâce à mes recherches en analysant certaines situations apportées par des professeurs. J'ai évoqué tout à l'heure le différé. Dans ce moment-là, dans ce dernier temps-là, ce que je mets en évidence aussi, le différé en est un, il est important d'outiller les professeurs en leur donnant des principes pour guider leurs actions, plutôt que de recettes. Hein, la recette qui nous fait croire qu'il existerait une bonne pratique qu'on pourrait mettre en œuvre et qui fonctionnerait dans tous les cas de figure, je préfère utiliser l'expression de principe d'action, de principe pour guider l'action. On a besoin de principes pour guider nos actions, mais méfions-nous des recettes qui nous font croire qu'une façon d'agir fonctionnerait en tout lieu, en toute situation, avec n'importe quel élève. Donc le différé est un de ces principes d'action, je l'évoquais tout à l'heure. Un autre principe aussi, un autre enseignement de mes recherches, c'est la capacité des enseignants à interpréter avec justesse les actions, et d'une manière générale, mais aussi mais donc dans ces actions, les paroles ou les gestes des élèves quand ils leur répondent quelque chose. Et j'ai observé que des jeunes enseignants, parfois, compensaient leur manque d'expérience professionnelle par une capacité beaucoup plus juste, et par ce réflexe de demander aux élèves parfois pourquoi ils agissaient comme ils agissaient, c'est-à-dire
tout ça, je parlais des devoirs tout à l'heure, un élève qui n'a pas pu faire des devoirs chez lui, le simple réflexe de lui demander pourquoi est déjà effectivement une façon d'avoir ce retour juste, le plus juste possible, des actions de l'élève, plutôt que de dire parfois, comme on entend dans certains propos, « bah oui, encore toi, bien sûr, ce n'est pas la première fois. Bon. » Parfois, un élève peut avoir une bonne raison qui peut être personnelle, familiale, elle peut être aussi pédagogique ou didactique, il n'a pas compris ce qu'il y avait à faire, il peut bien sûr avoir oublié un manuel ou autre. Donc il y a là nécessité pour agir avec justesse, d'être d'abord en mesure d'analyser avec justesse pourquoi un élève ou un groupe d'élèves agissent comme ils agissent. Troisième principe ou troisième savoir d'action, la capacité à reconnaître ses erreurs. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans une situation où on ferait des erreurs en permanence, mais reconnaître une erreur à un moment devant un élève ou devant une classe, ce n'est jamais manquer d'autorité. C'est au contraire accroître son crédit et sa crédibilité, dire qu'on ne sait pas, qu'on va chercher, pourquoi pas engager les élèves aussi dans la recherche d'une réponse. Eh bien, ça, c'est toujours augmenter son crédit. Et puis, j'évoquais la question du respect, être à l'initiative du respect sans condition préalable. Je sais que les enseignants qui m'ont parlé de la façon dont ils installaient ce respect, étaient des enseignants qui en avaient vu les effets en termes de crédit, de crédibilité, d'instauration d'une relation de confiance dans la durée avec les élèves. Voilà pour introduire un petit peu ce que je voulais vous dire. Cette intervention est extrêmement riche. J'en profite pour demander aux collègues de commencer à poser leurs questions, puisque Juliette, à mes côtés, va recueillir l'ensemble de vos questionnements et nous terminerons, comme à chaque webinaire, par une petite demi-heure de questions-réponses avec nos invités. Voilà, donc, concernant la bibliographie, vous pourrez retrouver la bibliographie de Bruno Robe sur notre chaîne YouTube et bien sûr de revisualiser l'ensemble de ce webinaire. Donc posez vos questions déjà par chat. Je vais maintenant enchaîner par la première question que nous avons posée à l'ensemble de nos intervenants et nous l'avons posée aussi aux élèves et nous allons donner la priorité à la parole des élèves puisque ça nous semble être essentiel. La première question c'était qu'est-ce que l'autorité ? Donc qu'est-ce que l'autorité pour un élève de collège ? Qu'est-ce que l'autorité pour un élève de lycée, à la fois en lycée général et technologique, mais aussi en lycée professionnel? Nous les écoutons. Je crois qu'il y a de l'autorité, c'est un prof qui arrive à faire travailler les élèves sans qu'il n'y ait des débordements en classe. C'est un prof qui arrive à se faire respecter, mais ce n'est pas non plus un prof qui abuse de son autorité. Pour moi, c'est un professeur qui peut être gentil avec nous et sympathique, mais en même temps qui fixe des limites. Pour moi, il y a deux types de profs autoritaires. Il y a tout d'abord des professeurs qui imposent du respect par le fait qu'ils travaillent et qui nous donnent envie d'apprendre. Et on travaille par respect pour eux, mais il y a aussi parce qu'on sent qu'on leur doit quelque chose. Mais il y a aussi des professeurs qui imposent le respect par le fait d'être strict et donner des devoirs, les punir. Et sincèrement, les professeurs du premier cas sont beaucoup plus appréciables et plus pédagogiques. Alors pour moi, un prof qui a de l'autorité, c'est un prof qui est à la fois sérieux et sympathique. C'est un prof qui mélange humour et travail avec ses élèves. Et c'est un prof qui sait se faire écouter et entendre quand il faut travailler sérieusement. C'est un prof qui met pas des notes partout pour rien et qui crie pas sur les élèves. Personne qui sait se faire respecter par les élèves et surtout se faire écouter dans le silence. Lors, par exemple, des explications, des consignes d'un exercice, il sait se faire écouter sans qu'il y ait trop de bavardage. Pour moi, c'est un prof qui arrive à ressaisir une classe quand elle se disperse, sans énerver ou sans se prendre de l'irrespect de la part de ses élèves. Qui apprend de bonnes choses et pas quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui apprend
des choses qui ne sont pas importantes. C'est un professeur qui est assez strict dans ses règles et qui sait faire respecter son cours et les règles du sport. Je pense qu'il y a deux définitions. Un prof qui a de l'autorité, il y a un poste qu'on peut qualifier de la bonne autorité. Donc c'est un prof qui sait se faire respecter et qui, en même temps, sait captiver ses élèves et en même temps, il les intéresse à son cours. Avec dans une bonne ambiance de classe où tout le monde apprend dans la bonne humeur. C'est un prof qui sait dire non quand un élève commence à mal parler ou à faire un peu n'importe quoi en cours. Pour moi, c'est un prof qui réussit à faire aimer sa matière. Après, il y a un peu le mauvais côté, un peu cliché, où voilà, il y a un peu une ambiance de terreur, où les élèves n'osent pas trop parler, ils n'osent pas trop lever la main, parce que le prof est peut-être trop autoritaire ou de la mauvaise façon. Pour moi, c'est un enseignant qui est strict dans son travail, mais qui, par ce qu'il va proposer, il va réussir à nous donner envie de participer à son cours. Un prof qui a de l'autorité, pour moi, c'est un prof qui trouve le juste milieu et qui sait se faire respecter par les élèves, sans être... trop dur et ni trop gentil. Prof qui peut nous aider à apprendre et au final, si les élèves aiment, ils peuvent respecter le prof. Voilà, un ensemble de témoignages d'élèves qui sont très instructifs, des notes données tout le temps pour n'importe quoi. On voit bien que les élèves interprètent l'autorité sous deux volets, la bonne autorité, le bon respect et le mauvais respect. Donc je vous laisse juge de ce qui vient d'être entendu, c'est extrêmement intéressant. Pour poursuivre donc sur cette première question de la définition de l'autorité, nous avons invité deux collègues d'expérience. Cyril Cossard, qui a enseigné 25 ans dans la cité scolaire Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec et qui travaille depuis 2 ans au lycée Hector Berlioz de Vincennes. Et Éric Dauphas, membre du GRED, EPS. Il enseigne 9 ans au collège Pierre Brossolette à Bondy, en zone sensible, puis au lycée Simone Veil depuis 10 ans en lycée professionnel. Tous deux vont témoigner de leur expérience et vont commencer par nous définir ce que c'est que l'autorité selon leur point de vue. Moi, j'ai été enseignante pendant 25 ans, comme l'a dit Patrick, dans une zone difficile. Et maintenant, je suis à Vincennes et je pense que je ne fais plus du tout le même enseignement. C'est-à-dire qu'enseigner dans des quartiers difficiles et enseigner dans les quartiers plutôt tranquilles, on ne fait plus du tout le même enseignement. Alors pour moi, l'autorité, en particulier à l'école, pour moi, elle passe soit par le savoir, soit par le pouvoir. Disposer d'une autorité ne doit pas relever de « parce que je suis la chef », bien évidemment, mais exige préalablement le savoir. Il s'ensuit l'existence d'une dissymétrie entre le maître et l'élève, qui doit être acceptée de part et d'autre, car elle repose sur le savoir. D'emblée, la question est posée de l'inégalité. En effet, l'élève acceptera l'inégalité entre le maître s'il constate qu'elle repose sur l'apprentissage du savoir qu'il est en train d'acquérir. S'il constate d'abord de nature sociale, la dissymétrie n'est plus tolérée et risque fort d'être combattue avec plus ou moins de violence. L'autorité, pour moi, est sous-tendue par 3 notions qui questionnent la manière d'enseigner et l'objectif de l'enseignement de l'EPS. Premièrement, la légitimité. Comment peut-on exercer une légitimité en EPS? Y a-t-il une légitimité spécifique par rapport aux autres membres du système éducatif? La notion de commandement. Qu'est-ce que commander en EPS? Comment commander alors que les interactions sociales sont au centre des apprentissages en EPS? Peut-on commander les élèves alors qu'il s'agit aussi de construire peu à peu avec une forme d'autonomie? Et la dernière notion est la notion d'obéissance. Veut-on vraiment des élèves obéissants? Différence entre collège et lycée. Peut-on définir un continuum sur le cycle ou sur un cursus? Et comment se faire obéir avec des élèves qui sont en mouvement dans un espace ouvert? J'essaierai d'y répondre tout à l'heure en boxe française, qui est ma spécialité. Merci Cyril. Éric, à toi. Lors de ma première année d'enseignement, dans les premiers mois de ma présence dans le 93, j'ai visionné un film qui était loin d'être un chef-d'œuvre cinématographique, qui s'appelle The Substitute. Donc c'est l'histoire d'un mercenaire qui devient
enseignant dans un lycée difficile aux États-Unis. Certaines similitudes avec ce que pensent vivre certains collègues nouvellement nommés dans l'académie. Dans ce héros, le héros explique qu'une force perçue est une force reconnue. Cette citation montre que l'autorité peut être perçue comme la capacité à obtenir l'obéissance, à altérer la volonté de l'autre et à s'y soumettre. Il y a vraiment un rapport de soumission. Tous ceux qui m'entourent professionnellement et aussi dans la vie privée se doutent que ce n'est pas du tout ma conception de l'autorité. Je suis plutôt à même de concevoir donc une autorité éducative décontaminée des pratiques autoritaristes, comme le soulignaient Favre et Ginet en 2004. Mon postulat initial, c'est que chacun est apte à recevoir une éducation. Donc M. Rob le disait tout à l'heure sur l'éducabilité. Je pars donc depuis toujours avec une idée positive de la rencontre que je fais avec les élèves. Et j'accepte avec facilité l'idée de changement. La rencontre, c'est forcément un voyage. Il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, on fait avec. Ainsi, nous pouvons nous questionner sur la reconnaissance de la force que je vous décrivais tout à l'heure. Donc la force reconnue, qui n'est peut-être pas une force physique, psychologique. Bref, une force imposée à l'autre. Je vais mettre en avant trois type de force à reconnaître qui exprime, selon moi, l'idée même de l'autorité, une force pédagogique, une force didactique et une force que j'appellerais une force de rayonnement qui peut aller vers une logique de diffusion plutôt. Nous allons maintenant vous diffuser le témoignage de Loïc Malfroy, qui est un jeune enseignant qui réalise toutes ses études à Lyon et qui, pour un certain nombre d'entre vous, a eu sa première son premier poste, première rentrée scolaire, en septembre 2017, en Seine-Saint-Denis, en collège REC+. Une année marquée par une expérience qui l'a invité à écrire un ouvrage qui s'appelle « Un an en Seine-Saint-Denis, témoignage d'un professeur de PS débutant ». Il témoigne en effet de moments de doute, il témoigne aussi d'émotions positives. Il témoigne aussi du fait que cette image de l'Académie de Créteil, qui est souvent une image qui ne colle pas à la réalité, c'est-à-dire d'une image d'élèves qui sont ingérables, eh bien voilà, il a pris de la distance par rapport à tout ça, il en témoigne dans son ouvrage, et il nous a fait la gentillesse donc de témoigner aujourd'hui de cette expérience. Aujourd'hui, il est rentré vers son pays natal, la banlieue lyonnaise, où il enseigne maintenant. Je ne suis pas sûr que ça soit aussi facile que chez nous, ou plus facile, je ne sais pas. En tout cas, voilà son témoignage. Bonjour à tous. Je souhaitais remercier Johan Thomasauer et Patrick Dumont pour l'invitation à ce 10e webinaire OPS de l'Académie de Créteil. C'est une académie qui représente finalement quelque chose de spécial pour moi, puisque c'est ici que j'ai débuté ma carrière, en Seine-Saint-Denis plus précisément. C'est avec ma casquette d'enseignant débutant que je m'adresse à vous aujourd'hui, puisque mes 5 ans d'expérience représentent assez peu de choses finalement à l'échelle d'une carrière complète d'enseignant. Et en même temps, je crois qu'elles suffisent pour dresser un premier bilan, pour porter un premier regard sur mes débuts et sur les progrès que j'ai pu éventuellement réaliser au regard de la question d'autorité. Le premier rapport qu'on peut avoir à la question d'autorité lorsqu'on débute, c'est finalement de ne pas se faire marcher dessus. Moi, ce qui m'apportait par exemple beaucoup au départ, c'était d'avoir le contrôle de mon cours, le contrôle de mes élèves et de pouvoir réagir immédiatement si l'un d'entre eux se montrait insolent ou refusait catégoriquement de travailler. Finalement, je me contentais de gérer mon autorité sur ces interventions, sur ces réactions à une transgression d'élèves et je pensais finalement assez peu au pôle préventif qui est pourtant très important et qui est complètement rattaché à l'idée de l'autorité. Voilà, ce témoignage très court, je vous invite, si vous êtes intéressé par son expérience, donc à aller lire son ouvrage, très intéressant, et un ouvrage de terrain en tout cas. Alors nous allons maintenant aborder la seconde question qui semble être effectivement liée au terrain, c'est la question qui renvoie à toutes les techniques et les procédures que nous pouvons utiliser pour justement faire autorité auprès de nos élèves. On parle parfois d'autorité naturelle, de charisme. Est-ce que cela suffit pour faire autorité en classe? Sûrement pas. En tout cas, vous avez bien vu depuis le début de ces webinaires que
nous n'étions absolument pas sur ce registre, mais nous allons rentrer maintenant dans le détail des propositions des uns et des autres pour voir comment ils s'en sortent eux au quotidien en tant qu'enseignants d'expérience, comment ils s'en sortent eux au quotidien pour justement utiliser soit l'espace, soit utiliser des temps de parole en particulier, soit essayer d'organiser l'environnement pour justement accroître une forme d'autorité. Nous avons voulu, encore une fois, sur cette seconde question, faire témoigner les élèves en premier. Nous leur avons posé donc la question, c'est comment un professeur qui te donne envie de pratiquer et envie d'apprendre en EPS. La parole est aux élèves. En ayant des explications claires et pas trop longues pour qu'on puisse suivre. C'est un prof en qui j'aurais confiance parce que je sais qu'il connaît ce qu'il fait et qu'il pourrait m'aider. On a envie d'apprendre, c'est un prof qui montre les exercices, qui montre l'exemple et qui nous montre un modèle pour qu'on sache exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Pour moi, un prof qui me donne envie de pratiquer en EPS, ce serait quelqu'un de super dynamique, qui est vraiment passionné par le sport, qui en a fait peut-être avant d'être professeur et qui en fait en dehors de son travail. Et qui, en plus, je pense que c'est un plus quand le professeur a un peu de sens de l'humour et il sait taquiner ses élèves et les pousser à être meilleurs. Il nous explique bien les exercices. Il est heureux, il est gentil, il est heureux. Tu as l'impression qu'il est heureux d'être là ? Ouais. C'est vrai ? C'est un prof qui est à l'écoute, qui nous encourage, qui est content de nous, qui nous montre quand on fait des efforts, qui nous suit, qui est vraiment au courant de notre niveau. Qui donne l'amour qu'il a lui-même envers son métier et l'amour qu'il a envers le sport. Il faut qu'il les transmette aux élèves, comme ça l'élève, ça lui donne envie. Ouais. C'est un professeur qui est assez joyeux, qui nous donne envie de pratiquer son sport parce qu'il aime ça, qu'il aime ce sport. C'est déjà un enseignant qui a de l'énergie quand il parle et qui a de l'énergie quand il enseigne. Après, ce qui me donne envie d'apprendre en EPS, c'est aussi la rivalité qu'il peut y avoir entre les élèves de la classe et les défis. Je sais que s'il me dit des bonnes choses, j'aurai des bonnes notes. Et comme j'ai envie d'avoir des bonnes notes, je vais le faire. Et du coup, je vais m'investir dedans. Moi, ce qui me donne envie de pratiquer l'EPS, c'est le challenge, le jeu, en fait. C'est surtout ça. C'est un professeur qui me pousse à aller aussi loin que je peux aller dans cette discipline. Même si des fois, je chute ou bien j'ai du mal à progresser, qui va me dire d'aller jusqu'au bout. Pour moi, déjà, c'est un enseignant qui est passionné par sa matière et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. On voit si il est là par contrainte ou s'il est là vraiment parce que ça lui plaît. Et c'est beaucoup plus entraînant que ce soit en EPS ou même dans diverses matières. Et puis tout simplement qu'ils connaissent même le fait qu'ils connaissent ses limites dans dans la matière qu'il nous apprend, ça nous donne envie un petit peu de le dépasser ou de faire un peu de challenge. C'est un professeur qui va mettre de l'intensité dans son cours, qui va par lui-même nous proposer des mini-jeux, des exemples pour qu'on puisse pratiquer pour le mieux ces exercices. Le professeur déjà qui montre les exemples, donc quand on fait sport, il nous montre quoi faire, etc. C'est un prof qui nous booste, qui nous donne la motive, parce que si il est un peu mou, etc., on va pas se donner à fond. C'est un professeur qui est motivé par son travail, qui donne envie de faire le sport, qui est motivé, qui donne tout ce qu'il a exprès pour ses élèves. Bien, gentil, heureux, à l'écoute, donne l'amour de son métier, joyeux, qui nous booste. Tout ça, ça a dû résonner dans les oreilles de Bruno Rob, puisqu'on y retrouve un certain nombre d'éléments. C'est fort intéressant. On va maintenant donc donner la parole à nos deux enseignants experts. C'est Cyril qui va commencer à nous décrire un petit peu sa façon d'agir sur le terrain, ses techniques, ses procédures, ses trucs peut-être, pour se faire respecter, pour faire en sorte que ses élèves s'engagent dans les apprentissages. Cyril, à toi. Merci Patrick. Alors, pour moi, l'idée de passer d'une autorité imposée à une autorité légitime
est consentie par le contenu, bien évidemment, et pour donner à la groupe place une certaine liberté. Il y a trois notions qui sont indispensables pour moi, qui est évidemment de maîtriser les savoirs disciplinaires, la légitimité sur le long terme et à ce prix. Une justice sociale, ça c'est indispensable, surtout dans le 93, de l'autorité de la gestion du temps de parole pour faire que la relation enseignant-enseigné soit le mieux possible. Et le dernier, c'est la mise en œuvre des conditions de pratique en sécurité des élèves. L'obéissance ne peut se décréter. Elle se construit sur un cadre clair, fiable et redondant pour assurer le groupe classe. Donc en reprenant ces trois points, je vais vous dire sur quoi on peut jouer. Sur la maîtrise des savoirs disciplinaires. Jouer sur le mode d'entrée dans l'activité, sur le traitement didactique, pour faire sens auprès des élèves, tout en se gardant une marge de sécurité. Pour dire, je garde le contrôle, bien évidemment, parce que c'est moi le chef, bien évidemment, ou la chef. Les relations enseignants-enseignés, empreintes de justice sociale. C'est un peu ma Madeleine de Proust, la justice sociale. Équité dans les choix des sanctions, les choix des règles sur lesquelles on ne peut pas transiger. Appréciation d'un niveau de bruit de fond sonore. Qu'est-ce que je vais faire? Je vous donnerai un exemple, bien évidemment, en boxe française. Et le dernier, c'est la mise en œuvre de conditions en pratique de sécurité. Définition d'une organisation pédagogique. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je mets en place? Il faut que ça soit optimisé, stable, clair, précis. Et là, on a des élèves qui s'engagent. Sinon, ils ne s'engageront pas. Donc ça, je vais vous donner maintenant ma vue par rapport à la boxe française. Donc, par rapport au traitement didactique de la PSA boxe française. Si, par exemple, je ne maîtrise pas la boxe française, je vais rentrer par rapport aux différents coups, à la technique, par le fouetter, c'est rassurant, parce que c'est un coup qui touche, ou par qui est une trajectoire directe, ou par le chasser, qui est beaucoup plus frontal, qui peut faire plus mal, mais au niveau de la distance, beaucoup plus facile à envisager. Et donc ce choix-là, il est mûrement réfléchi en fonction de la classe et en fonction de mes objectifs. Si je ne maîtrise pas la PSA non plus, je suis tentée de ne pas rentrer par les différents coups. Mais si je maîtrise, je peux rentrer par le jeu. Et là, le jeu, c'est extraordinaire parce que là, je développe toutes les capacités pour mes élèves. Ils vont rentrer dedans beaucoup plus facilement que si je rentre par les coups. Et comme ça, je peux aborder le triptyque qui est indispensable en boxe française, qui m'a suivi toute ma carrière, la touche, la distance et l'équilibre. La gestion des relations enseignant-enseignés, définition d'un cadre réglementaire, c'est indispensable pour qu'on fonctionne correctement en EPS. Il doit être posé, donc comme je vous l'ai dit en début de cycle, toujours clair, précis, fonctionnel, ce qui fait foi lors d'un cycle, sur lequel je ne vais pas transiger. Ces règles ne doivent pas être trop nombreuses. Si vous en mettez trop, les élèves ne suivront pas. Il y a forcément associé une sanction. Si vous associez une sanction, il faut faire attention parce qu'il faudra l'appliquer à chaque fois. Et souvent, les enseignants donnent des sanctions, ne les appliquent pas. Et donc les élèves, évidemment, s'engouffrent dans cette voie-là. Et ça, c'est très dangereux pour l'autorité vis-à-vis de l'enseignant. Par exemple, il faut réfléchir à ce que je ne veux pas laisser passer. Donc par exemple, en boxe française, objectif sécurité. Je vais définir ce que je ne peux pas laisser passer. Et sur quoi je peux fermer les yeux? Est-ce que je sanctionne un élève qui s'énerve, par exemple, en boxe française? Ou est-ce que je considère que c'est normal, vu les émotions engagées? Accepter un bruit de fond, c'est par exemple accepter d'entendre ce profil d'élève avec un niveau sonore élevé. Des cris. Mais je ne vais pas laisser passer, par exemple, les coups trop puissants. Parce que là, je sais que ça va aller crescendo et que je vais voir les élèves qui vont dégénérer, qui vont se taper dessus. Donc j'arrête. Et donc laisser plus de temps à la distance, à l'armée, à la construction de cette boxe française. Et le dernier point, c'est la mise en œuvre de conditions de sécurité, l'organisation spatiale. En boxe française, c'est facile, il y a des rings. C'est la manière dont je vais organiser mon espace. Donc les repères pour l'élève. Qu'est-ce que je fais? Elle va limiter les interactions entre eux. Donc, je pose des rings avec soit des élastiques, soit des plots. Les élèves sont cantonnés. Et après, c'est moi qui me déplace. Du coup, moins d'interactions, moins de problèmes d'autorité. Le dernier est mon placement, moi, en tant qu'enseignante, dans la séance. Donc, au début, je donne des consignes claires devant toute la classe.
Et après, c'est très facile, ils sont en ring. Donc je me déplace de ring en ring pour donner les différentes consignes pour que l'autorité soit le mieux appréciée et le mieux compris par les élèves. Merci Cyril. Ton intervention, alors effectivement, là on voit bien que les trois points guident ta pratique au quotidien. La maîtrise didactique, le cadre réglementaire qui est tellement important en activité de combat et l'organisation spatiale sécurisée. On aura l'occasion peut-être de poser des questions à Cyril tout à l'heure dans la partie questions-réponses. N'hésitez surtout pas à poser vos questions sur le chat dès à présent puisque nous pourrons donc avoir quelques éclaircissements sur les propositions de Cyril et bien sûr d'Éric qui va enchaîner maintenant sur cette même partie. À toi Éric. Merci Patrick. Alors au cours de cette partie, loin de moi l'idée de prétendre détenir la vérité. Il faut juste prendre mes propos comme une expérience, un retour d'expérience de 19 ans donc sur l'Académie de Créteil, 9 ans en collège zone prévention violence et 10 ans dans un LP. Déjà pour introduire, je m'écarterai de la mouvance actuelle, des trucs et astuces et autres lubies de cours sur la tenue de classe, comme ça a pu se faire il y a déjà quelques années sur l'Académie de Créteil, permettant donc aux enseignants d'établir l'autorité au sein de leur classe. Je sais qu'il est de bon ton actuellement de revenir à une approche un peu passéiste de la relation enseignant-enseigné et de souhaiter ordre et autorité afin de restaurer la dignité de la figure du maître, comme le souligne notre ministre. Je vais donc décliner mon intervention sur les trois forces que je vous ai exprimées tout à l'heure et dont j'use depuis quelques années déjà. Donc la force didactique. La première chose qui a pu piloter la prise en charge de mes élèves en début de carrière, c'est de m'interroger sur les recettes, comme le disait Bruno Robe, les trucs et astuces qui me permettraient en fait d'instaurer une sérénité au sein de ma classe. Bien entendu, il ne faut pas minorer cela, mais je pense qu'il est nécessaire de s'interroger sur la nature des savoirs à transmettre aux élèves, donc de s'interroger sur la force didactique de notre intervention auprès des élèves. Ainsi, ce n'est pas innocent si en début de carrière, il est souvent plus facile d'enseigner des activités dont on est spécialiste, puisque nous parvenons encore plus à proposer des formes de pratiques scolaires adaptées à nos élèves. Tout cela permet aux élèves de donner du sens au savoir scolaire. Je vais prendre l'exemple en athlétisme, et notamment en demi-fond, sur une activité telle que le demi-fond où on va proposer aux élèves un projet et les engager sur quelque chose qui peut être un peu rebutant pour eux. Il est nécessaire de proposer une forme ludique aux élèves, alliant défis individuels, courses collectives, tout en étant toujours ancré dans l'ADN même du champ d'apprentissage 1, c'est-à-dire la performance, pour stimuler ainsi l'intérêt des élèves. Je vais maintenant vous expliquer ce que j'entends par force pédagogique. J'ai été rapidement influencé par les propos de Daniel Favre sur le postulat de cohérence. Celui-ci précise que tout le monde a de bonnes raisons de penser, faire ou ne pas faire. L'interdit n'est pas sur ce que l'on ressent, mais sur le comportement. Il y a des comportements acceptables, d'autres qui sont inacceptables. D'ailleurs, en tant qu'enseignant, nous avons bien compris cela, puisque qui n'a jamais eu envie de secouer un élève ? Mais personne ne passe à l'acte. Éduquons ainsi nos élèves à cela également. Alors, d'où l'importance de mettre un cadre réglementaire aux élèves, ce qui est du négociable, du non négociable. Je vous laisserai regarder les travaux de Méhard et Flavier sur les conflits et les sanctions, notamment la sanction coup de feu, lorsqu'on parle de règles non négociables. Quand nous évoquons la relation pédagogique, c'est forcément corrélé au contexte dans lequel nous intervenons. La signification d'un événement dépend du cadre dans lequel nous le percevons. Lorsque le cadre change, la signification change. J'ai l'exemple d'un stagiaire qui était en observation. Donc, avant, ça se faisait beaucoup. On allait dans un autre lieu. Et il enseignait, lui, en lycée de centre-ville. Dans son cadre, les élèves avaient un rapport systémique au savoir scolaire. Ils pratiquaient ce que le demandait l'enseignant de pratiquer.
Il voit un de mes élèves de 3e, donc j'étais sur une activité, l'activité demi-fond. Il voit un de mes élèves de 3e d'alternance s'arrêter après un tour. Il vient me voir, il m'interpelle et il me dit « Pourquoi tu ne vas pas voir l'élève là qui vient de s'arrêter alors que la consigne, c'était de continuer ?» Donc cet élève-là, faut savoir qu'il était, c'était un élève décrocheur qui était absent depuis plusieurs semaines. Il venait jamais sans sa tenue de PS. Il était, et il ne pratiquait que très rarement. Là, cette fois-ci, il avait fait un tour. C'était déjà une victoire pour moi. Et il avait sa tenue de PS. Donc, c'est clair qu'il est nécessaire d'établir son autorité en régulant ses exigences en fonction des élèves qu'on a en face de soi. De plus, donc depuis 10 ans, je suis en contact avec des élèves de lycée professionnel. J'ai appris à jouer un rôle avec eux, faire fi de mes émotions, prendre du recul par rapport à tout ce qui peut se passer dans le cours, afin de garder un état émotionnel stable et de pouvoir réguler plus facilement. J'encourage mes stagiaires à se dire que lorsqu'il y a un conflit, ce n'est pas notre autorité qui est remis en cause, qui est remis en question, c'est juste le rapport parfois que l'élève entretient avec la règle, et même plus simplement envers le système. Alors, comme le disait Bruno Robe, loin de moi l'idée de donner des recettes, des astuces, de donner des leçons, mais peut-être des principes d'action. Et je pense vraiment qu'il faut envisager de changer de paradigme sur la posture de l'enseignant. Montrer la faillibilité, Bruno Robe en parlait tout à l'heure, de l'enseignant, c'est aussi montrer aux élèves qu'eux-mêmes peuvent s'excuser, évoluer, changer. C'est montrer en fait que vous êtes un être humain et que l'être humain, il n'est pas infaillible. Et je pense que c'est faire autorité que de réussir à rentrer dans cette posture-là. Enfin, et je ne saurais que militer sur cela, c'est le dernier point, il faut redorer l'autorité parentale au sein de la classe. Ainsi, même avec des élèves de terminale, parfois majeurs, en décrochage scolaire, je n'hésite pas à téléphoner aux parents pour tous les petits tracas du quotidien, l'oubli de la tenue, le refus de pratiquer en EPS. C'est surprenant de prendre conscience du poids des parents, même avec des élèves de terminale. Et je pense que c'est aussi asseoir son autorité que d'impliquer les parents. Alors, enfin, pour conclure, lorsqu'on évoque l'autorité, il y a ce que l'on nomme l'autorité statutaire. Celle-ci est liée à la fonction globale de l'enseignant, c'est-à-dire celle même qui dépasse le cadre de sa classe. Il me semble que structurer son autorité, c'est réussir à développer sa force de rayonnement dans l'établissement et en dehors de l'établissement. C'est s'investir pour les élèves au profit des élèves. Alors je vais aborder plusieurs points, 3 points. Le premier, c'est travail en équipe qui permet de construire un cadre autour de règles communes présentes dans le règlement intérieur, connues de tous. C'est plus facile de faire appliquer des règles quand celles-ci sont décidées collectivement. L'investissement de l'enseignant dans le cadre de l'AS. Un enseignant avec une AS dynamique autour de projets structurants pour les élèves sera reconnu comme une personne ressource dans son établissement et fera autorité à leurs yeux. Et enfin, un enseignant présent dans toutes les commissions qui peuvent exister dans les établissements, conseil d'administration, MDL, MLDS, mais également dans les clubs, dans les structures autres extérieures, qui parvient même à tisser un réseau avec le monde associatif, avec les parents d'élèves, est un enseignant qui sera reconnu par tous, les dirigeants d'associations et les parents, et par une logique de diffusion par les élèves. J'ai souvenir de voir l'entraîneur du club de Bondy dire avec ces mots à un élève donc, que j'avais en cours, dont j'étais le prof principal, et lui, il l'entraînait 2 ou 3 fois par semaine, que tous les propos négatifs qu'il aurait en retour de ma part seront discutés et sanctionnés à l'entraînement. Merci Eric. Merci. Nous allons maintenant redonner la parole à Loïc Malfroy qui a répondu également à cette question au travers de son témoignage. Loïc, c'est à toi. Au fur et à mesure que les cours passent, que les semaines, les mois et les années s'enchaînent, on se rend compte que l'autorité ne se réduit pas
à cette façon d'intervenir devant un élève qui transgresse. On s'aperçoit qu'il y a tout un tas d'éléments sur lesquels il faut réfléchir. Il faut par exemple penser au climat de classe dans lequel on veut que nos élèves travaillent. Il faut penser également nos interventions orales de manière fine, de façon à ce qu'elles prennent peu de temps et qu'elles soient comprises par nos élèves. Et puis, il y a aussi à réfléchir aux différents rituels qu'on veut mettre en place et qui vont permettre de poser un cadre que les élèves vont pouvoir suivre d'un cours à l'autre, d'une activité à une autre. Prenons les temps de consigne par exemple. J'avais tendance à les transmettre derrière mon bureau, sans forcément faire attention à mon temps de parole ou au vocabulaire que j'utilisais. Or, au sein du collège REP dans lequel j'exerçais, l'écoute, la persévérance, la prise de recul constituaient de véritables axes de progrès pour mes élèves, certainement pas des acquis. Se taire pendant 5 minutes, écouter une consigne jusqu'au bout, représentait un véritable effort conscient pour mes élèves, effort qu'ils ne fournissaient pas aisément. Ils finissaient très souvent par décrocher, pas bavarder, et je devais lutter contre leur transgression en usant de mon autorité. Quelques minutes plus tard, ils détournaient la tâche, soit parce qu'ils n'avaient pas compris les consignes, soit parce qu'elles n'avaient aucun sens pour eux. J'ai donc essayé de prendre du recul pour analyser le pourquoi du comment. J'en suis arrivé à la conclusion que j'avais atteint un premier niveau, celui de la réaction, ce qui est déjà bien car le pire reste toujours de ne rien faire. Mais j'ai aussi compris que pour atteindre un second niveau, il me fallait travailler sur ma propre intervention. Progressivement, je suis passé de l'autre côté du bureau pour entrer un peu plus dans l'univers des élèves. J'ai tenté de parler de manière plus brève en utilisant un vocabulaire plus simple. Et j'ai progressivement constaté plus d'attention de la part de mes élèves et donc moins de transgressions. J'ai mené ce processus de réflexion sur plusieurs aspects de mon organisation pédagogique et didactique et peu à peu, j'ai régulé mon intervention. J'ai donc essayé de mettre en place des rituels au sein de ma classe, notamment au niveau de l'échauffement. Par exemple, pour l'échauffement général, j'ai essayé de le rendre transversal autant que possible d'une APSA à une autre. J'ai essayé de mettre en place des petites routines au début de chaque échauffement spécifique, de façon à ce que les élèves s'y retrouvent. J'ai aussi également mis en place des situations à caractère ludique, addictif, de façon à faire adhérer les élèves et pouvoir garantir leur engagement sur la durée. Par conséquent, je me suis aperçu qu'en jouant sur le caractère préventif de l'autorité, je limitais mes interventions suite à la diminution des transgressions des élèves et donc je pouvais passer beaucoup plus de temps à les guider, à les accompagner afin de leur permettre de se transformer au niveau moteur, méthodologique et social. Pour conclure, j'aimerais insister simplement sur le fait que lorsqu'on débute sa carrière, lorsqu'on a en face de nous des élèves issus de milieux défavorisés, lorsqu'on a affaire à de multiples transgressions, c'est un réflexe naturel de se centrer sur le pôle de l'autorité et sur le côté traitement de celle-ci. En revanche, il est très important d'essayer de prendre du recul sur sa pratique, essayer de se remettre en cause, d'analyser ce qui marche, ce qui marche moins bien, pour essayer de faire des liens entre ce que l'on a appris en formation et ce que l'on constate sur le terrain, de façon à essayer de progresser au maximum, et ça tout au long de notre carrière. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite un bon 10e webinaire dans l'Académie de Créteil. Merci à Loïc à distance, qui doit nous regarder ce soir de Lyon. Je vais simplement vous inviter pour ce 10e et dernier webinaire de l'année. Nous avons conçu un petit bêtisier et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin puisque vous allez voir qu'à nouveau, il y a quelques petits moments croustillants dans ce bêtisier. Donc, je vous invite vraiment à rester. La deuxième partie de ce webinaire, elle est bien évidemment consacrée à vos questions-réponses. Donc, la parole est à vous. Nous allons donc essayer de voir quelles sont les questions qu'il est possible de poser donc à nos intervenants en fonction de leur présentation. Juliette, qui est à mes côtés, a recueilli les questions et va commencer par poser, je crois, une première question à Bruno Robes. Première question, donc. Juliette, c'est à toi. Merci à tous pour vos apports et pour ces échanges qui vont être certainement encore très riches. Donc j'avais une première question pour M. Rob concernant des précisions sur la distinction qu'il a fait tout à l'heure sur la bienveillance et la bonne veillance. Alors on a compris qu'il y avait une forme d'influence et d'attente dans cette notion de bienveillance. Est-ce que vous pourriez nous apporter un petit peu plus de précision sur ces deux concepts? Parce qu'effectivement, ce terme de bienveillance, on le voit dans beaucoup de textes officiels qui circulent,
Donc nous attendons un petit peu plus de précision de votre part. D'accord, je vous remercie. Je faisais cette distinction entre bonne veillance chez Daniel Marcelli. Je reprenais ses propos parce que pour moi, cette notion telle qu'il la développe, c'est effectivement c'est un certain type de regard sur les actions et les actes que pose un jeune, un élève qu'il s'agit d'avoir. Évidemment, quand on entend bienveillance, des fois, on pourrait penser à une forme de condescendance, à une forme de, j'allais dire, un peu de paternalisme. Ce n'est pas ça dont les élèves ont besoin pour grandir. Et c'est ce sur quoi Dewey nous alertait dans la citation que j'ai lue, c'est-à-dire que l'enjeu de l'exercice de l'autorité, d'une autorité éducative, c'est autoriser. C'est autoriser l'autre à grandir, à progresser, à apprendre, à modifier sa façon d'être en relation avec les autres, à se socialiser, on pourrait dire, pour avoir effectivement des comportements, socialement acceptés, enfin acceptés avec les autres, en tout cas des relations avec les autres qui puissent être effectivement réciproques dans le respect des grands interdits fondamentaux qui sont d'abord l'interdit de violence. Voilà. Donc ça, c'est cette idée-là qui me semble importante. J'ajouterais peut-être qu'il y a une notion que j'aime beaucoup et qui peut-être explique justement quels peuvent être ces gestes de l'enseignant qui relèvent de cette bonne veillance dont parlait Marcelli et que je reprends à mon compte. J'aime bien la notion aussi de tact qu'a développé Éric Préra, le philosophe dont je parlais tout à l'heure, de l'éducation, qui a aussi beaucoup travaillé sur la sanction éducative au passage. Je pense que vous connaissez forcément ces notions autour de la sanction éducative. On a la chance d'ailleurs dans le second degré d'avoir des textes tout à fait précis sur les procédures disciplinaires que j'ai beaucoup travaillé puisque j'ai formé aussi des CPE dans l'Académie de Versailles. Et donc, la sanction éducative, l'autorité éducative, il y a évidemment un clin d'œil là à la pensée, aux travaux d'Éric Préra. Ce qu'il a développé aussi par ailleurs, c'est la notion de tact, agir avec tact. Et je crois que ça rejoint effectivement cette idée de bienveillance, c'est-à-dire donner à l'élève dans les actions qu'on a en tant que professeur, juste ce qu'il a besoin pour grandir, pour se développer, mais ne pas être trop interventionniste, et ou ne pas être justement non plus à l'opposé dans le non-interventionnisme. Alors entre ces deux excès, d'ailleurs les collègues Cyril et Eric en ont parlé, et Loïc aussi dans les interventions qu'on a entendues, c'est un travail de réglage, de régulation en évitant de tomber dans des postures excessives. Pour autant, exercer une autorité éducative, ce n'est pas une juste mesure entre la carotte et le bâton, c'est une posture différente. Et donc, à travers cette notion de bienveillance ou de bonne veillance, voilà, agir avec tact, on pourrait presque faire l'analogie avec la zone proximale de développement chez le psychologue Vygotsky, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que l'élève puisse grandir, mais ni trop ni pas assez, quoi. Donc ça, c'est... Voilà, ça relève évidemment d'un travail d'expertise. Dans la durée, les collègues l'ont bien expliqué, je crois, à travers leurs témoignages et leurs évolutions aussi professionnelles, comment ils ont gagné en expertise progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais comment effectivement ils arrivent après à doser leurs interventions pour apporter ce qu'il faut. J'ai bien aimé l'exemple d'Éric sur l'élève décrocheur là, et le demi-fond et la course de fond. Travailler sur les progrès, penser les progrès et pas uniquement la performance, mais penser cette articulation entre progrès et performance, par exemple, ça me semble quelque chose de tout à fait important. Il se trouve qu'en ce moment, je suis en train d'analyser une situation de lycée dans un établissement pour décrocheurs sur lequel je travaille pour une recherche, et un prof de PS a proposé, je voyais le nom du Baldi que j'ai découvert là dans le chat, que j'ai découvert récemment grâce à ce prof de PS, il a proposé une situation pédagogique qui s'appelle la ronde italienne. Sans doute, ça vous dit quelque chose, évidemment. Donc, j'ai appris que c'était Ubaldi qui était à l'origine de cette mise en œuvre pédagogique. Et ce collègue, prof de PS, donc comme beaucoup d'entre vous ici, explique que, justement, l'intérêt de cette situation, c'est qu'elle travaille davantage sur... Elle enrôle les élèves, déjà. Donc, vous avez parlé de l'aspect ludique.
Elle enrôle les élèves, mais elle les met dans une situation réflexive et elle vise les progrès. Et il dit, ce collègue, moi j'ai des difficultés parce que souvent, les élèves, eux, ils voient uniquement la performance dans le sport. Alors que moi, j'essaye de développer leur vie physique, dit-il, parce que je pense aussi à leur vie future. Et il dit peut-être que dans l'institution, dans l'éducation nationale, il y a une contradiction entre la performance pour le baccalauréat, puisque lui, il a des terminales qui vont passer le baccalauréat, et puis les progrès aussi, qui sont un autre objectif qui est essentiel dans le travail, la façon dont il conçoit l'activité physique à l'école, au lycée. Et donc, il se trouve pris dans cette contradiction. Mais on voit bien l'importance de développer les progrès aussi, et pas d'être uniquement centré sur la performance, même si elle est sans doute importante. Mais ce professeur disait, les élèves, eux, sont beaucoup axés sur la performance, parce que, comme vous le savez, je vous apprends rien, vous le savez mieux que moi, le sport aujourd'hui n'est pas indépendant d'un univers social qui cultive la performance, qui cultive l'excellence, le sport de haut niveau. On a ça à la télé en permanence. Évidemment, tous les élèves que nous avons en face de nous ne sont pas des futurs sportifs de haut niveau. Donc tout l'enjeu de la pratique sportive à l'école, il est sans doute aussi ailleurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les élèves soient performants, mais sans doute qu'il y a d'autres choses qu'il faut travailler. Donc la bienveillance, elle s'inscrit certainement là-dedans. Je trouve encore une fois l'exemple d'Éric tout à l'heure pouvait en être un exemple de l'action avec tact, parce qu'effectivement il s'agissait là de ne pas louper le rendez-vous que l'élève lui donnait d'être venu avec ses affaires et d'avoir fait un tour. Voilà. Et là je pense qu'en n'intervenant pas pour le coup, et sans doute lui a-t-il renvoyé aussi quelque chose de positif dans la suite de la séance, il a, à mon avis, fait preuve justement de cette bonne veillance dont Marcelli parlait dans la citation que j'ai reprise tout à l'heure. Bruno, peut-être une petite précision concernant l'idée que l'autorité serait aussi sous-tendue par le respect que peut avoir le prof, vis-à-vis de son élève. On a longtemps considéré que l'élève n'avait pas la parole, que l'élève devait exécuter uniquement les consignes, les ordres des enseignants. Et aujourd'hui, on est dans cette optique où l'on essaye de donner la parole à l'élève, en tout cas de respecter ce qu'il pense et de soigner son intégrité morale. C'est-à-dire que derrière tous les exemples que vous nous donnez et qui ont été donnés par les collègues, il y a cette idée aussi que pour motiver les élèves dans l'action, il y a quelque chose qui se joue dans le respect justement de leur intégrité morale et physique aussi, et que ce n'est pas complètement étranger à cette idée que de par cette démarche, l'élève va respecter d'autant mieux l'enseignant. Oui, j'ai effectivement développé cette notion de respect. J'ai vu qu'elle avait été aussi reprise dans les témoignages des collègues et aussi ceux des élèves, on a bien entendu. Alors, c'est une notion un peu piégeuse, le respect. Il faut faire un peu attention, parce que souvent, quand les élèves disent « vous ne me respectez pas », ça arrive parfois qu'ils reprochent ça au prof ou au surveillant, derrière ce terme, il y a parfois effectivement « vous m'empêchez de faire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire ». Donc attention à cette confusion que respecter, dans la bouche des élèves, ça mériterait d'être travaillé ça avec des profs de lettres par exemple. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de respect ? Moi j'ai remarqué, j'ai un peu regardé justement les définitions du respect, et on s'aperçoit que dans les définitions finalement, autorité et respect sont des termes très proches. Ce qui peut paraître étonnant, mais ce sont au niveau des définitions, la Rousse ou autre, vous verrez que les termes sont très proches. Et donc, effectivement, être à l'initiative du respect de l'élève, c'est justement se donner un savoir d'action pour agir. Je prends un exemple d'une situation que j'avais recueillie dans ma recherche sur l'autorité, dans le livre de 2010 que j'ai publié. C'est ce prof d'éco-gestion en lycée qui expliquait que l'élève contestait la note et il a eu un moment, une façon de s'adresser à lui qui était effectivement, il s'est mis à tutoyer l'enseignant, enfin bon, et à utiliser un vocabulaire inapproprié. Et une des répliques que l'enseignant a pu faire à ce moment-là, c'est ici, moi je n'accepte pas effectivement que tu t'adresses à moi de cette façon-là, ici personne ne s'adresse à toi comme ça, moi-même je n'ai jamais pris effectivement ce langage et ce vocabulaire pour m'adresser à toi.
Alors, vous voyez, là l'enseignant, il a effectivement un outil tout à fait puissant pour dire à l'élève, ici, dans cet espace, ce vocabulaire-là n'est pas approprié. L'est-il ailleurs? D'ailleurs, je ne dis pas qu'il l'est ailleurs, bien évidemment, mais l'enseignant peut d'autant plus agir sur ce levier-là, utiliser cet argument, que lui, effectivement, s'astreint à une exemplarité et à un respect de la personne de l'élève sans condition. Alors là, on est effectivement dans le registre des droits de l'enfant ou des droits humains. Hein, quand on dit ça, on respecte la personne parce que c'est une personne humaine. C'est à ce niveau-là que se joue cette question du respect dans ce principe un peu éthique. Ça fait référence d'ailleurs au philosophe Paul Ricoeur, hein, considérer l'autre comme un autre soi-même, soi-même comme un autre. Bon, c'est cette idée-là, hein, de respecter l'autre parce que c'est un humain. Alors, évidemment, ça n'empêche pas, encore une fois, on est des êtres humains, ça a été dit, et on peut parfois, sous le coup de l'énervement, avoir une parole ou voir un geste qui peut dépasser notre pensée, même en tant qu'enseignant, ça peut arriver. L'important, alors il vaut d'abord évidemment que ce soit rarissime, et deuxièmement, il faut pouvoir en reparler ensuite, mettre des mots dessus. Je parlais de reconnaître ses erreurs tout à l'heure, pouvoir en parler, mettre des mots dessus, c'est ce qui peut permettre évidemment que l'élève aussi voit que ces choses-là peuvent arriver, mais qu'évidemment, l'enseignant se doit au maximum de faire preuve d'une exemplarité, parce qu'à l'adolescence en particulier, les jeunes ont besoin d'adultes auxquels ils puissent s'identifier. Ça, c'est tout à fait important. Bon, beaucoup de psychologues de l'adolescent l'ont montré. Et si ces adultes, ils ne les trouvent pas dans leur environnement proche, ils vont aller parfois chercher ailleurs, dans des espaces, y compris maintenant Internet, beaucoup moins favorables à leur développement. Donc cet enjeu, il est tout à fait essentiel qu'on s'efforce effectivement d'avoir une certaine forme d'exemplarité pour être des modèles d'identification, c'est-à-dire des adultes auxquels ils ont envie de ressembler. Il n'y a pas que les sportifs de haut niveau ou les chanteurs ou les artistes qui peuvent être parfois des modèles d'identification favorables, mais pas toujours. Dans l'environnement proche, c'est tout à fait important qu'ils trouvent ces adultes auxquels ils ont envie de ressembler. Et on a tous en mémoire, et les élèves aussi certainement, si on les interroge, certains professeurs qu'ils gardent justement dans leur mémoire parce qu'ils ont été des adultes auxquels ils ont eu envie de ressembler, qui parfois peut-être leur ont donné envie d'être à leur tour enseignants, mais bon, ou autre chose. Voilà. Merci Bruno pour cette réponse. Juliette. Oui, alors je voudrais revenir sur une notion que vous avez employée tous les deux à plusieurs reprises. Vous avez parlé d'un cadre réglementaire. Et pour rebondir aussi sur les propos de M. Rob, ça me fait penser à ces lignes jaunes dont parlait Jean-Luc Ubaldi quand il définissait cet espace dans lequel l'élève pouvait justement évoluer. Est-ce que vous pourriez nous préciser chacun, peut-être dans votre activité, comment vous mettez en place ce cadre réglementaire? Est-ce que c'est un cadre qui est différent pour chaque activité? Est-ce que c'est un cadre qui transcende les activités et qu'on peut retrouver dans toute votre démarche pédagogique? Est-ce que, voilà, vous pouvez nous préciser tout ça? Alors, moi, je peux commencer. Mon cadre réglementaire, il s'adapte évidemment en fonction des activités et du niveau dans lequel je fonctionne. Mais j'ai quand même un cadre quand même qui est toujours le même, c'est-à-dire que les élèves sont toujours assis au départ pour leur expliquer un petit peu ce que j'attends d'eux, les objectifs de la leçon et les objectifs du cycle. C'est très, très important. Et après, je trouve qu'il y a aussi un cadre qui est très important, c'est de leur dire sur quoi ils vont être notés, ce qu'on en attend d'eux et comment on peut les aider pour que ça soit le mieux possible. Et là, je trouve que, justement, la réforme lycée avec les AFL nous permet de rentrer dans ce cadre-là, avec l'AFL 1, 2 et 3 et au lycée. Et ça permet exactement de donner beaucoup de sens à l'élève et beaucoup de sens à nous, notre cadre à nous. Alors, pour ma part, effectivement, je rejoins complètement Cyril sur ça. Après, je pense, comme je disais, qu'il faut qu'il y ait un cadre fixé par une équipe. Donc un cadre qui serait non négociable pour tous les élèves d'un même niveau, pour tous les élèves du lycée ou du collège.
Donc ça se négocie en équipe, voilà, en fonction de, on va dire, de la posture de chaque enseignant aussi, parce qu'on sait qu'on a un fonctionnement différent, mais que ce fonctionnement, il doit être harmonisé en équipe. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je renvoie un petit peu toujours à la didactique, c'est-à-dire que je pense que mon activité, ce que je structure avec les élèves dans le cadre de mon activité, impacte énormément sur la relation que je vais avoir avec eux. C'est-à-dire que, on va reprendre le demi-fond. Le demi-fond, les élèves, ils ont le droit de s'arrêter. Ils ont le droit de s'arrêter, par contre, ils ont le droit de s'arrêter dans une zone particulière. Cette zone particulière, elle est à côté de moi. Elle n'est pas à l'autre bout et tout. Et donc ça va structurer mon cours. Mais c'est de l'ordre du didactique. Et puis, on en parlait tout à l'heure. Donc, Juliette le disait, donc la ligne jaune. Alors, je vous parlais de Méhard sur les sanctions coup de feu. Il y a qu'il y a des choses qui sont non négociables. Et les choses qui sont non négociables, il y a une sanction directement derrière. Alors, c'est un peu difficile d'énumérer une liste de choses qui sont non négociables. Mais moi, la première chose, c'est le non-respect de la parole de l'enseignant ou des autres élèves lorsqu'ils ont à la donner. Voilà, ça pourrait être une des choses. Alors, pour rester dans cette idée de cadre réglementaire, dans l'activité boxe française, il y a un règlement qui est particulièrement important et on l'entame, cette formation des arbitres assez tôt dans le cursus de formation. Est-ce que, Cyril, tu pourrais nous expliquer comment tu l'envisages au service de cette formation plus globale de l'élève, dans laquelle tu cherches à donner de plus en plus de liberté, puisque c'est ce que tu nous as expliqué, que cette autorité, elle est au service de donner plus d'espace de liberté aux élèves? C'est exactement ce que la Juliette, c'est donner plus de liberté aux élèves. Et effectivement, la liberté est différente entre un collégien et un lycéen. C'est-à-dire que j'ai fait une grosse différence. Et par exemple, au niveau de l'arbitrage en boxe française, qui est indispensable pour qu'un assaut se passe bien, il faut qu'il y ait des arbitres qui soient efficients et efficaces. Et donc pour ça, il y a des commandements. Et en fonction, évidemment, on a plus ou moins d'appétence pour être arbitre ou non. Et au collège, tout le cursus d'un collégien, je n'impose pas à l'élève d'être arbitre. C'est-à-dire que s'il ne le souhaite pas, il ne l'est pas. Il peut être juge, il peut être tireur, mais pas forcément arbitre. Par contre, au niveau du lycée, là, j'impose l'arbitrage parce que c'est de toute façon l'AFL3, donc au niveau du lycée, qui est indispensable. Et sur l'arbitrage, c'est un continuum qui est très, très important. Et c'est gage de sécurité pour un assaut. C'est-à-dire que si l'arbitre est efficace, l'assaut se passera le mieux possible et on n'aura pas de débordement, de coups trop forts, d'élèves qui vont s'énerver, qui vont parler trop fort. Et souvent, ce n'est pas vis-à-vis de l'adversaire qu'il va y avoir des débordements. L'autorité, elle ne se fait pas là. Elle se fait vis-à-vis de l'arbitre. Et donc, l'arbitre, il faut les protéger. Et là-dessus, on a des critères sur la FL3, de la seconde à la terminale, pour noter les élèves au niveau de l'arbitrage. Et à la fin, ils ont leur diplôme. Parce que, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Et on peut arbitrer correctement. Et si on a des petites astuces, c'est-à-dire que si je n'arrive pas à arbitrer, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'imposer au niveau voix et tout ça, mais je sais quand est-ce que réagir quand il y a des coups trop forts, on met un deuxième arbitre. Enfin, il y a plein de solutions qui se mettent en place dans le cursus d'un élève. Mais c'est vrai qu'entre un collégien et un lycéen, c'est extrêmement différent. Et je pense que là, il faut être extrêmement attentif vis-à-vis de nos élèves et les écouter. Quand je t'entends, Cyril, j'ai le sentiment que il y a quelque chose, il y a un enjeu aussi dans cette délégation d'autorité de l'enseignant vers l'élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu délègues l'autorité à un élève qui va jouer le rôle d'arbitre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire par cet exemple que c'est une compétence scolaire que de faire acte d'autorité vis-à-vis de ces camarades, et que cette compétence scolaire, elle se construit tout au long du cursus et qu'elle s'apprécie aussi par l'élève qui peut par là même peser toute la difficulté de faire autorité dans un groupe ou dans une classe ou dans un groupe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se joue là derrière? Évidemment, ça se joue énormément.
énormément. Et là, c'est là où l'enseignant a tout gagné. C'est-à-dire que si j'arrive à faire ce que moi, je n'ai plus l'intention de le faire, c'est-à-dire si les élèves le font à ma place, mais j'ai réussi, mais je suis extrêmement contente, les élèves aussi. Donc là, on rentre dans la compétence, comme tu le dis, Patrick, et là, on a tout gagné. Et c'est là-dessus qu'on veut aller, évidemment, nous, en tant qu'enseignants. Et en plus, si les élèves sont dans ce continuum, on a, à mon avis, tout gagné au niveau de la compétence acquise par les élèves et par l'enseignant. Alors, cette formation des arbitres, elle se fait aussi à travers les rôles sociaux et à travers l'AS. Hein, il peut y avoir cette logique de diffusion. Eric, il me semble que sur la fin de ton intervention, tu nous parlais d'une force de rayonnement qui avait justement derrière cette logique de diffusion. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser un petit peu ce que tu entendais par là ? Alors, je vais prendre un exemple très simple. Dans le cadre de notre AS, on a un club santé. Le club santé, en fait, c'est une AS cross-training. Et donc, cette AS cross-training, elle a pris une forme qui n'est plus seulement centrée sur cette activité-là, mais qui va bien au-delà. Et donc là, alors c'est moi qui m'en charge, j'apparais comme un enseignant ressource pour les élèves, puisque je suis même sollicité dans les couloirs pour l'AS cross-training, mais également pour plein de questions liées à la santé, à la remise en forme. Et donc, suite à tous ces questionnements-là d'élèves, j'ai envisagé même d'aller un petit peu plus loin. Donc, aller un petit peu plus loin, c'est permettre aux élèves de continuer à pratiquer en dehors des cours de PS, parce qu'on se rendait compte qu'on avait un impact très, très réduit. Et donc, notamment le dimanche matin, autour d'un footing dominical où les collègues peuvent venir, le personnel de direction aussi, et puis aussi en dehors pendant les vacances. Et donc, tous ces liens-là qu'on crée, ces gouttes d'eau qu'on crée, qui finissent en fait par se rejoindre, vont faire pour moi ce sens autour de cette logique de diffusion. Parce qu'en fait, on devient une personne ressource et les élèves nous respectent, comme disait M. Rob, à travers cette notion-là. Donc en fait, on prend du temps pour eux, simplement, et puis on les fait progresser à la fois en tant que pratiquant, mais également en tant que futur homme ou femme, pratiquant bien sûr. Merci Eric. Moi je voudrais redonner, puisqu'on est, on atteint le terme de ce 10e mois de binaire, je voudrais redonner la parole à Bruno Rob, si Bruno, vous avez une intervention à faire en termes de conclusion. Oui, dans les propos qui viennent de s'échanger, je ne veux pas conclure parce que former à travailler cette question de l'autorité, je pense que c'est une question qui se travaille en début de carrière, régulièrement en milieu et encore, on ne fait jamais autorité une fois pour toutes, en toute situation, devant toutes les classes et face à tous les élèves. Donc ça se travaille à différents moments et parfois, évidemment, on dit des choses, mais si les gens ne sont pas réceptifs à les entendre parce qu'ils n'ont pas rencontré les problèmes qu'on évoque, ça va pas, le message ne va pas forcément passer. Dans ce qui vient de se dire, là, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes. Cyril a évoqué finalement quelque chose qu'un de mes collègues, Alain Marchi, va appeler l'autorité didactique, c'est-à-dire quand les élèves se sont appropriés le projet de l'enseignant et la situation, et donc en respectant bien sûr les objectifs d'apprentissage, mais quand ils ont fait suffisamment confiance à l'enseignant pour s'engager dans l'activité, que ça devienne leur activité, leur problème, effectivement, là, on a résolu le problème de l'autorité. Donc ça, cette idée d'autorité didactique, je l'évoquais aussi à travers la ronde italienne, ça me semble effectivement un objectif à atteindre et on pourrait certainement, en EPS d'ailleurs, peut-être plus facilement que dans d'autres disciplines, recenser un certain nombre de situations pédagogiques, didactiques, où cette autorité didactique peut vraiment se mettre en œuvre. S'agissant du non négociable, c'est très important aussi ce qui a été dit. J'ai beaucoup travaillé sur cette question, je l'ai repris aussi dans mes ouvrages et publications. Ce qui est non négociable, effectivement, ça vient de lois fondamentales que les travaux de sciences humaines et sociales ont mis en évidence, des travaux d'ethnologues, d'anthropologues, qui montrent que dans toute société humaine, il y a des interdits fondamentaux.
Alors, je n'ai pas le temps de le développer, mais il y en a trois en gros. C'est l'interdit de violence, l'interdit de meurtre, on comprend bien. Si chacun, effectivement, commence à nuire à l'autre en tant que personne, que ce soit par des mots ou par les actes, il n'y a plus effectivement de société possible. Et donc, on a le devoir d'intervenir, d'être garant quand effectivement cet interdit est mis en jeu. Un autre interdit tout à fait essentiel, alors les anthropologues ou les ethnologues parlent d'interdit d'inceste, évidemment, ça renvoie à d'autres choses, mais dans la relation d'enseignement, ça se traduit par le fait que l'enseignant n'est pas là pour développer des préférences, des relations privilégiées avec certains élèves. Il est là pour s'occuper de tous les élèves. Cyril parlait de justice sociale. La justice scolaire aussi a été beaucoup développée par François Dubet, par exemple, ou d'autres sociologues. Et les élèves, on le sait, sont très soucieux qu'on soit juste dans nos interventions avec eux et qu'on ne privilégie pas certains par rapport à d'autres. Donc, l'idée d'interdit d'inceste, on peut juste retenir effectivement qu'on est là pour s'occuper de tous les élèves et pas uniquement de ceux avec lesquels on aurait des affinités ou qui nous renvoient une bonne image d'enseignants parce qu'ils sont en réussite. Pensons aussi, comme Eric l'a montré tout à l'heure, à ceux qui sont plus en difficulté. C'est le postulat d'éducabilité. Troisième élément qui a été beaucoup dit aussi sur le non négociable, c'est effectivement rappeler l'autorité statutaire, les rôles et les de chacun. Ici, c'est une classe, l'enseignant est là pour enseigner, l'élève est là pour apprendre. On rappelle ces choses qui vont de soi, mais qui vont mieux souvent en le disant. Se mettre d'accord entre enseignants sur un plus petit dénominateur commun de cadre éducatif, c'est tout à fait essentiel. Et puis après, effectivement, chaque enseignant peut avoir aussi son style et ses façons d'exercer son autorité. Mais il est important qu'en équipe, on ait, ça a été dit, ce plus petit dénominateur commun qui tourne autour de ces trois lois fondamentales, ce non négociable que je viens d'énoncer. Encore merci pour votre présence ce soir à ce webinaire qui nous aura vraiment éclairé sur cette question-là. Merci encore. Je vais redonner la parole à Cyril pour un dernier mot de conclusion. Eh bien, je dirais donc, pour moi, une autorité réussie, une autorité consentie, c'est ce que j'attends de moi, bien évidemment, et des élèves. Et donc, si j'arrive à que la désymétrie n'existe plus entre le maître et l'élève, j'ai tout réussi. Et là, je suis extrêmement contente. Et effectivement, ça a été tout un continuum pour moi dans ma profession, depuis le début de carrière jusqu'à maintenant, et ça me tient vraiment à cœur. Justice sociale, c'est vraiment très très important. L'équité, le savoir-être, le savoir se savoir retenir, et tout ça, c'est extraordinaire. Et donc, je terminerai là-dessus. L'autorité, c'est pas l'autoritarisme, loin de là. Et là, on a tout réussi. Merci, Sylvie. Eric ? Ben, je reprends ce qu'a dit Cyril. Elle a tout résumé, effectivement, les attentes qu'on pourrait avoir en tant qu'enseignant. Alors moi, je tenais à remercier tout le monde pour ces 19 ans passés sur l'Académie de Créteil. Voilà, je pars sur de nouvelles aventures, un nouveau départ. Donc je remercie Patrick de m'avoir invité sur ce dernier webinaire qui représente pour moi quelque chose d'important parce que je pense que ça a beaucoup piloté ma façon de voir les choses avec les élèves. Et donc voilà, donc merci à tous. Il y a un an, lorsque nous avons débuté cette aventure des webinaires, nous ne savions absolument pas si nous allions rentrer dans un besoin professionnel. Et puis, il s'avère que sur ces 10 numéros, on a vécu une expérience extraordinaire avec des collègues qui ont joué le jeu de travailler vraiment sur la question qui leur a été posée. On a eu des collègues sur le plateau qui ont vraiment été d'excellents intervenants, je tiens à le signaler. Et puis, des milliers de personnes derrière qui ont soit assisté à nos webinaires en direct, soit revisionner les replays sur notre site YouTube, et on vous remercie vraiment sincèrement de votre fidélité. L'année prochaine, nous allons essayer de continuer cette expérience, nous allons essayer de trouver encore des thématiques qui vous intéressent. Encore merci aussi à toute l'équipe technique que j'aimerais appeler pour que vous voyez derrière tout le travail qui a été fait. Fabrice Bruchon, Laj Azouzi et Johan Thomas Hoer, que je voudrais remercier tout spécialement puisque
Il a été avec moi à l'origine de cette aventure. L'année prochaine, il sera nommé dans une autre académie en tant qu'IPR. Un grand merci à toi, Johan. Un grand merci à tout le monde. Et puis, Cyril. Et puis, à très bientôt pour en 2021. On continue cette aventure. Restez avec nous. C'est le bêtisier. Vous allez voir quelques petits sourires en perspective. Merci à vous. Pour ce 10e webinaire, vous pouvez déjà vous inscrire pour le mercredi 2. Je vois bien le texte là, vas-y. Ouais, je vois bien. Ah bon, on n'a pas de train là. Nous invitons d'ores et déjà, Bienvenue au webinaire EPS de l'Académie de Créteil. Pour ce 10e webinaire, vous pouvez déjà vous inscrire. C'est ça. Comme à la télé, on est tellement mauvais qu'on reprend 50 fois. Et en plus, allez, sérieux. Autant rigoler un peu. Non, arrête avec ton bêtisier, toi. Ouais, mais ça fait un peu lèche-cul, non, quand même. Oui, tu vois. Ouais, ouais. Okay. L'autre, ça tourne, action et tout. Action. Du lycée, du col. Et tout un exploit de... De l'Académie de Créteil. Le webinaire de l'Académie de Créteil. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, vous. De traiter avant tout des conditions préventives. Hé, ça t'embête pas, on est en train de bosser. Nous irons. Nous avons. C'est. Non, parce qu'au dernier moment, j'ai changé de phrase. Et ça ne va pas. Enseignant, pour asseoir son autorité, peut. Non, pas, c'est pas bon. Bon, et je me concentre. Au préalable.
Des conduites. Et c'est préventif. Nous aurons l'immense plaisir de figer enseignant pour asseoir son autorité. Mais peu. Non, pas, c'est pas bon. Il croit quoi? Qu'on est des acteurs, qu'on est rodés. Nous, il nous faut du temps. Rendez-vous pour ce 10e webinaire le 2 juin. Donc on a le micro, on va changer et on a l'ordinateur. Je suis. Elle n'a rien fait pour ça. Et je passe la parole à Patrick. Ça va me tenir. Alors ouais, moi j'ai pas aimé du tout qu'on me mette en scène comme ça. On m'a forcé. Le coup du drone, on m'a forcé vraiment. Et là, c'est la dernière fois. La prochaine fois, un truc sage. Sinon, j'appelle Don Patoche. Mais ça va pas cette phrase-là. Ben, on est une team de fous, comme dit Joël, mais je pense que le chef est encore plus fou, donc c'est fou, quoi. À un moment donné, quand on est entre fous, bah on est fous, quoi. Explode. Dis tube ou tube? Tube. Tube. Alors YouTube. YouTube. Tube. À très bientôt. Pourquoi tu dis pas? J'ai rien dit, là. J'avais dit à bientôt. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. On vit pas un bon moment là. J'adore. Bravo. Ça restera entre nous, ça, hein. Bah oui.